Donc, le point de départ, en fait, c'est la diversité des profils des personnes étudiantes. Parce que c'est sûr que si on pense aux étudiants qui sont à l'université comme étant des étudiants types qui sont directement en provenance du cégep, donc qui sont jeunes, dont la langue maternelle est le français, qui ont des parents qui eux-mêmes ont étudié à l'université, qui n'ont pas de difficultés financières, qui sont soutenus éventuellement par leur famille et qui sont inscrits à temps plein aux études, eh bien, en fait, on passe un peu à côté de la réalité des profils étudiants tels que on la rencontre dans nos universités. Parce que la réalité, c'est plutôt ces images-là des étudiants qui ont toutes sortes de profils. Alors, il y en a par exemple, je vous donne quelques chiffres qui viennent de l'Institut de la Statistique du Québec, puis également pas mal de chiffres issus de l'UQAM ou du réseau des universités du Québec. 45% des étudiants au Québec concilient études et travail. En dehors du Québec, c'est moins de 40%. Donc, le Québec est assez fort sur la conciliation études-travail. En tout cas, c'est la réalité des étudiants. Et ce taux est en augmentation depuis 30 ans. Pour le réseau des universités du Québec, à titre d'exemple, c'est presque 70% des étudiants qui travaillent. Donc, ça fait partie de leur réalité. Sur ce réseau aussi, Université du Québec, le nombre d'heures travaillées par semaine, c'est 19,7. Et la recherche nous dit qu'à partir de 20 heures, la réussite académique est un petit peu devient critique. Donc, vous voyez, on est juste en dessous. 42% travaillent plus que 15 heures et 17% travaillent plus que 20 heures par semaine. Ça, c'est pour le réseau collégial chez les étudiants. Donc, c'est important aussi. Et l'âge moyen au premier cycle à l'UQAM, ça, c'est aussi un exemple un peu qui vient de mon institution, c'est 27 ans. Donc, vous voyez, on est loin du profil de l'étudiant type qu'on pourrait imaginer. Il y a 42% des étudiants qui sont en situation financière précaire à l'UQAM. 16% des étudiants sont seuls pour s'occuper d'enfants et parmi eux, il y en a beaucoup qui ont des enfants de moins de 5 ans. Il y a 58% des étudiants dans le réseau UQ qui sont des étudiants de première génération universitaire, donc dont les parents n'ont pas été à l'université. 5% sont des étudiants autochtones pour l'UQAC. Encore à l'UQ, 8,3% sont des étudiants étrangers. Et enfin, pour compléter ce profil de la diversité étudiante, on a des étudiants en situation de handicap qui sont enregistrés. Donc, ça veut dire qu'il y en a plus qui, en réalité, dans nos classes et dans nos amphithéâtres. 2264, c'est un chiffre qui a doublé en 5 ans à l'UQAM, mais dans d'autres institutions également. Alors, voilà pour le point de départ. Donc, c'est ça la réalité et c'est de là qu'on part. Quelques balises théoriques concernant le terme inclusion, de façon à bien faire la différence, notamment avec l'intégration qui correspond à quelque chose d'un petit peu différent. Donc, je vais aller vite là-dessus. Vous voyez ce petit schéma très simple. Bon, vous voyez que l'exclusion, on le comprend aisément. Nos petits points rouges seraient nos étudiants non typiques. Alors, l'exclusion, c'est si l'institution ne leur permet carrément pas d'entrer, de participer. La séparation ou ségrégation, c'est lorsque les étudiants qui ont des profils particuliers sont pris en charge, mais dans un environnement autre que celui de notre institution. Et l'intégration, puis c'est ce qui existe encore et c'est ce qu'on fait depuis une trentaine d'années environ, c'est lorsqu'on accueille des étudiants qui ont des profils particuliers, mais qu'on leur réserve un traitement différent des autres étudiants. Donc, c'est vous voyez, les petits points rouges sont entourés et sont finalement pas tout à fait mélangés avec des étudiants petits points verts. Pour ce qui est de l'inclusion, alors là, on voit qu'il y a vraiment un mélange de tous les étudiants qui n'ont plus besoin de se distinguer en fait les uns des autres. Et ça, c'est possible parce que l'environnement est adapté à cette diversité. Donc, finalement, l'inclusion, c'est ça, c'est le fait que l'environnement s'adapte à une diversité de profils d'étudiants qui permettent à ces étudiants de ne plus avoir besoin de se distinguer comme étant différents. Alors, cette inclusion, en fait, elle est liée et puis elle s'appuie sur quelque chose qui était connu lorsqu'on parlait d'étudiants en situation de handicap, qui est un peu notre point de départ, mais
vous voyez qu'avec l'inclusion, on ouvre à d'autres étudiants, c'est l'idée d'un modèle médical qui s'oppose à un modèle social. Alors là, je parle vraiment de handicap. Ça va être à peu près le seul moment de la présentation où je parle de handicap. J'ai fait exprès d'enlever l'image initiale que j'avais pour obstacle d'un étudiant en fauteuil roulant, puisque je voulais vous montrer que dans l'obstacle, dans le modèle médical, c'est un étudiant qui a une particularité, puis l'institution va considérer que c'est cette particularité de l'étudiant qui est un obstacle, alors que dans un modèle social, on considère que c'est l'inadéquation entre l'environnement humain qui accueille cet étudiant et l'environnement matériel et l'étudiant qui ne fonctionne pas. Donc, c'est vraiment dans l'interaction entre les deux. Donc, vous voyez que l'obstacle n'est pas le même. Puis, ça change tout parce que d'un côté, l'étudiant porte le poids de l'obstacle, alors que dans le modèle social, c'est la relation, donc l'institution, qui porte cette responsabilité-là. Alors, une petite définition de la pédagogie inclusive. La pédagogie inclusive postule qu'il n'existe pas d'apprenant typique et que la diversité est la norme. On peut rajouter ça. Cette approche permet d'adapter son enseignement à cette diversité sans baisser son niveau d'exigence académique. Ça, c'est très important. On va revenir dessus. Et dans le but de prévenir les obstacles à la réussite, des obstacles qui sont arbitraires. Donc, je vais vous donner aussi des façons de savoir si un obstacle est arbitraire ou pas. Qu'est-ce que c'est l'éducation inclusive? Donc là, une définition un peu plus vaste, si on regarde d'un petit peu plus loin. L'éducation inclusive, c'est un processus de réforme systémique qui comporte des changements et des modifications du contenu, des méthodes d'enseignement, des approches, mais aussi des structures et des stratégies en éducation visant à surmonter les obstacles. C'est un extrait d'une citation qui provient de l'ONU. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un processus de réforme systémique? Je ne passe pas trop de temps là-dessus, mais je trouve que c'est important pour comprendre comment on situe ensuite les pratiques pédagogiques inclusives, parce qu'en fait, ces pratiques, j'ai voulu le représenter dans ce schéma-là que j'ai emprunté à Alex Lorité, les pratiques, en fait, c'est une chose parmi d'autres quand on pense à un processus de réforme systémique, parce qu'avec l'inclusion, en fait, il y a plusieurs niveaux de l'institution qui sont touchées. Au cœur, il y a le niveau des principes et des valeurs, par exemple l'idée de s'ouvrir à la diversité, que notre université, par exemple, décide de valoriser l'enseignement. Puis ça a des répercussions sur un autre niveau systémique qui est celui des politiques et des normes de l'institution, le règlement des études, les conventions collectives, les politiques. Et puis ça a une influence ensuite sur ce qui se passe dans la salle de classe, effectivement, les pratiques pédagogiques, mais aussi finalement des pratiques de gestion des parcours étudiants, des pratiques d'évaluation. Donc, tout ça pour dire que lorsqu'on parle de pratiques pédagogiques inclusives, on focus juste sur un niveau systémique de l'ensemble. Ce qui veut dire que s'il n'y a que les pratiques qu'on essaye de faire bouger, les systèmes ayant une certaine inertie, il y a de fortes chances pour qu'on revienne à la situation initiale. Donc, c'est pour ça qu'on parle, quand on parle d'éducation inclusive, on parle de réforme systémique et de responsabilité partagée. Ça veut dire qu'effectivement, à plusieurs niveaux du système, les choses doivent évoluer. Pourquoi adopter des pratiques pédagogiques inclusives? Donc, on a compris qu'il y avait le point de départ, la diversité étudiante. Mais si on se place simplement du point de vue des enseignants, alors là, ces données-là proviennent d'une consultation qui est en cours à l'UQAM, qui a commencé à l'hiver dernier. Donc, c'est vraiment du point de vue des enseignants et de la réalité des profs. D'abord, il y a l'idée de prévenir la répétition des demandes d'accommodement individuel qui sont très nombreuses et donc de plus en plus nombreuses et qui peuvent être usantes à la longue, de se retrouver toujours dans les mêmes situations à essayer de trouver des solutions au cas par cas. Une autre bonne raison d'adopter des pratiques inclusives, c'est de sortir d'une évaluation qui est toujours assez délicate de situations individuelles. Par exemple, une étudiante qui nous demande la permission d'enregistrer son oral plutôt que de venir le faire en classe, c'est une évaluation qui est notée. Elle justifie sa demande par le fait, par exemple, que son enfant est malade. La maladie d'un enfant, ce n'est pas forcément une raison qui est admise par l'administration de l'université comme permettant de rater une évaluation. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on l'accorde?
Si je l'accorde, est-ce que je suis équitable vis-à-vis des autres? Même chose, la question du temps supplémentaire aux examens. Si on l'accorde à tous les étudiants, est-ce qu'on est équitable ou pas? Bref, donc on est toujours, on est toujours dans cette évaluation. Et puis parfois, le souci d'équité, c'est pas simple de répondre. Donc, les pratiques inclusives, ça permet de sortir de cette évaluation dans laquelle on peut se trouver. Autre raison de s'intéresser à des pratiques inclusives, ça permet en fait de planifier davantage son cours et du coup, pour un enseignant, ça permet de développer son confort et son sentiment de compétence devant la diversité des profils d'étudiants. Donc ça, c'est quelque chose qui est notable. Autre raison du point de vue des profs, c'est pour gagner du temps sur le moyen et long terme. C'est sûr que dans le court terme, il y a un effort à fournir d'abord. Et donc, je ne peux pas vous dire qu'au départ, vous allez gagner du temps en appliquant des pratiques inclusives. Maintenant, du point de vue des étudiants, alors pourquoi adopter les pratiques inclusives? C'est sûr que ça a des retombées sur les enseignants, puisque avec des pratiques pédagogiques inclusives, en fait, on favorise beaucoup la motivation des étudiants. Il y a plusieurs raisons à cela. Et c'est intéressant de voir à quel point les raisons qu'on enregistre sur le terrain répondent à des observations de recherche faites sur la motivation étudiante. Je pense par exemple aux recherches de Roland Viau. Alors, il y a le sentiment d'être plus inclus et moins stigmatisé qui aide les étudiants et qui leur permet d'être plus motivés. Le fait d'avoir plus de choix dans la façon d'apprendre et d'être évalué, c'est aussi un élément qui favorise leur motivation. Lorsqu'on leur donne des consignes et des attentes plus claires, ça aide leur motivation, ça fait partie de pratiques inclusives. Il y a aussi le sentiment d'être évalué à sa vraie mesure qui est importante dans la motivation d'un étudiant. Ce que la recherche en dit, on sait que les choix pédagogiques d'un professeur peuvent être déterminants sur l'engagement et la motivation des étudiants, que les pratiques d'enseignement et d'évaluation ont un effet sur la motivation et la décision d'étudiants de persévérer. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que les conceptions de l'apprentissage des enseignants jouent un rôle important dans la décision d'adopter des pratiques inclusives. Puis souvent, on commence par là, en fait, lorsqu'on veut développer ce genre de pratiques inclusives, on s'intéresse à la façon dont les enseignants perçoivent l'apprentissage. Et ce qui arrive bien souvent, et ça je me réfère à la recherche de Bergeron et Prudhomme parue l'année dernière, c'est que les enseignants qui considèrent que l'apprentissage c'est une accumulation de contenu sont moins sujets et moins intéressés à l'adoption de pratiques inclusives. C'est une conception de l'apprentissage qui est assez restreinte et qui peut faire passer par exemple à côté du potentiel des interactions sociales dans la construction du savoir. Bref, un bon point de départ peut être aussi de se demander comment on qualifie l'apprentissage en tant qu'enseignant. Pourquoi adopter des pratiques inclusives? Il y a aussi une obligation légale qui est là. L'éducation inclusive, c'est un droit fondamental. C'est une réponse à la discrimination. Je vous renvoie vers la Charte canadienne des droits et des libertés, la Charte québécoise des droits et libertés de la personne aussi. La légitimité de la diversité en éducation, elle est reconnue depuis 1994 à la conférence de Salamanque. Donc, la diversité est une norme maintenant, elle est reconnue comme normale en éducation. Une petite citation aussi dans cette même idée. Ces 30 dernières années, l'inclusion s'est imposée comme la condition sine qua non de la réalisation du droit à l'éducation. Donc, ça, c'est une déclaration qui vient de l'ONU en 2018. Et j'ajouterais, c'est aussi une façon de s'inscrire dans l'idéal d'accessibilité de l'enseignement postsecondaire qui est poursuivi dans certains pays, notamment au Québec. Alors, comment adopter des pratiques inclusives? On y arrive. Il y a deux axes sur lesquels on insiste aujourd'hui. Le premier axe, c'est la clarification des objectifs d'apprentissage, parce que c'est vraiment le point de départ et la base de ce comment. Travailler pour adopter des pratiques inclusives. Puis dans un deuxième temps, et là ça sera Marie-Christine Dion qui prendra la parole, à partir d'exemples vécus et de bonnes pratiques déjà rodées sur le terrain. On va vous donner des exemples. En fait, on avait le choix entre, à propos de ce comment, vous faire une liste de toutes les pratiques inclusives qui existent dans différents
dans différentes directions pour ce qui touche, par exemple, les moyens de présentation ou l'encadrement des travaux d'équipe, tout ce qui touche l'évaluation. Mais on se disait que pour un webinaire, ça serait un petit peu rébarbatif de vous donner des listes. Alors, on préfère vous les donner sur des documents auxquels vous pourrez accéder après ce webinaire et plutôt passer du temps pour approfondir certaines de ces pratiques pour rendre la présentation plus intéressante. Alors, donc d'abord, la clarification des objectifs d'apprentissage. Alors, pourquoi clarifier ces objectifs d'apprentissage? Pourquoi c'est si important de le faire? Vous savez, les objectifs d'apprentissage, c'est la raison d'être des cours. Hein. C'est le pourquoi du cours, pourquoi ce cours existe. C'est toujours ces objectifs d'apprentissage. Une autre raison très importante de commencer par ça, c'est qu'ils ne doivent pas, mais même jamais, être baissés. Face à la diversité des profils étudiants, on ne doit pas avoir ce réflexe de baisser nos objectifs d'apprentissage ou nos critères d'évaluation. Jamais, jamais, jamais. Et donc, pour être sûr qu'ils ne soient pas baissés, parce que s'ils sont baissés, c'est toute la valeur du diplôme que l'on donne à l'étudiant qui est en péril. Donc, c'est surtout à pas faire. C'est aussi les objectifs d'apprentissage, eux qui vont guider les choix de stratégie d'apprentissage, les choix d'évaluation. Il y a une notion d'alignement pédagogique que j'approfondis juste après qui est derrière ça. Donc, c'est un point de départ en pédagogie en général, mais aussi lorsqu'on veut adopter des pratiques inclusives. Ils sont importants parce que finalement, l'inclusion ne se concentre jamais sur le changement des objectifs d'apprentissage, mais elle se concentre sur l'adaptation des moyens seulement de les atteindre et de permettre aux étudiants de les atteindre. Donc, les moyens, c'est les stratégies pédagogiques qu'on utilise et les méthodes d'évaluation. Donc, c'est bien pour faire cette différence-là qu'on insiste là. Alors, l'importance de l'alignement pédagogique, je vais vous laisser découvrir ce schéma par vous-même. Je vais m'attarder plutôt à ce dessin qui est une caricature qui vient de l'Université Clermont-Auvergne, qui est super pour comprendre ce que c'est l'alignement pédagogique, je trouve, avec un peu d'humour. Premièrement, un objectif d'apprentissage, par exemple, ça pourrait être que l'étudiant soit capable de sauter en parachute. Puis, si on n'a pas un bon alignement pédagogique, on pourrait se dire, pourquoi pas, comme activité pédagogique, proposer aux étudiants de lire sur le parachutisme. Et toujours, si on n'a pas un bon alignement, l'évaluation, ça serait de sauter en parachute. Vous voyez le risque qu'il y a pour l'étudiant à avoir un cours qui ne respecte pas ce principe d'alignement pédagogique. J'aime bien la légende qui est derrière « Préservons la vie de nos étudiants, vérifions notre alignement pédagogique ». Je trouve que ça permet de bien comprendre. Assez rapidement, les caractéristiques d'un objectif d'apprentissage, c'est un rappel, mais un objectif d'apprentissage, c'est centré sur l'étudiant, ça décrit ce que l'étudiant sera en mesure de faire ou de savoir suite à son apprentissage. C'est quelque chose qui est mesurable, observable, et c'est quelque chose qui est fréquemment rappelé dans le cours pour aider les étudiants, mais pour aider aussi l'enseignement à garder le fil conducteur en tête. Donc, vous voyez que là, inclusion ou pas inclusion, rien ne change. Hein. Qualifier ces objectifs, on a des taxonomies qui existent. La plus connue est celle de Bloom. C'est une taxonomie de type cognitif qui décrit les niveaux de complexité du plus simple au plus complexe. Ce tableau est un petit peu plus détaillé, vous donne les caractéristiques de chaque niveau et les verbes d'action possibles. Bon, bref, en gros, on comprend qu'on a des outils et que pour clarifier ces objectifs, c'est en s'appuyant sur ces outils, c'est relativement facilitant. Toujours sur le thème des objectifs, et ça vient de questions qui se posent régulièrement lorsqu'on se demande quoi faire pour rendre nos cours plus inclusifs. Il y a des capacités qui sont parfois exigées des étudiants alors que rien dans le cours ne les y prépare. Puis ça, c'est tout ce qu'on appelle compétences complémentaires transversales. Par exemple, la compétence à savoir à communiquer ou à travailler en équipe. La capacité à prendre un recul critique, etc. Il arrive qu'on évalue nos étudiants sur ces capacités-là
sans donc à aucun moment enseigner ses capacités. Or, vous savez qu'on ne doit évaluer que ce qu'on enseigne et enseigner que ce qu'on évalue. Et c'est embêtant, en fait, d'évaluer les étudiants sur ces capacités si on ne les enseigne pas, parce qu'en plus, ça va fréquemment être des capacités sur lesquelles des étudiants qui ont des profils divers et qui pourraient être justement issus de notre diversité étudiante pourraient avoir de la difficulté. Excusez-moi, ma phrase n'est pas très, très bonne. En gros, ce que je veux dire, c'est qu'on peut se mettre à évaluer un étudiant sur sa capacité à communiquer oralement sans lui avoir appris à le faire et alors qu'il aura atteint les objectifs d'apprentissage qu'on visait, par exemple la maîtrise d'un concept théorique, il maîtrise ce concept, mais le simple fait du choix du mode d'évaluation le désavantage, et c'est là qu'on va parler de barrière indue à la réussite, qui est un terme que j'ai utilisé au début. Donc, vous voyez, avec une perspective inclusive, on s'interroge sur les barrières qui existent, qui empêchent l'étudiant de démontrer qu'il a atteint cet objectif d'apprentissage. Donc, on pourra y revenir, si vous voulez, dans les questions, mais il y a un travail à faire sur ces compétences complémentaires et transversales. Déjà, être conscient qu'elles existent, les lister, et puis, une fois qu'on les a listées, décider de leur importance. C'est-à-dire que si elles sont importantes, à ce moment-là, il faut qu'elles soient incluses comme objectif d'apprentissage. Puis, si elles le sont, à ce moment-là, il faut qu'il y ait des activités pédagogiques qui soient organisées pour permettre aux étudiants de développer ces capacités-là. Souvent, il y a un travail à faire au niveau du programme, puisqu'elles sont transversales. Donc, c'est souvent des capacités qui ne s'acquièrent pas en un seul cours, mais sur plusieurs cours. En tout cas, j'amène juste votre attention sur le fait qu'il y a parfois des questions que nous posent des étudiants qui peuvent nous amener à réaliser que certaines compétences qu'on évalue sont en fait transversales et qu'elles devraient peut-être faire l'objet d'apprentissage sur un ensemble de cours du programme. Donc, ça peut être des décisions qui sont à discuter en comité de programme. Je vais passer maintenant la parole à Marie-Christine, qui m'avait assez entendue, et on se retrouvera tout à l'heure. Je vais arrêter de partager mon écran. Voilà, Marie-Christine, je pense que tu peux partager ton écran. Marie-Christine, on ne vous entend pas. On vous entend toujours pas. Il y a quelque chose qui a changé, Marie-Christine? Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien, merci. Non, fait que je vais enlever mon casque d'écoute, je suis désolée. Donc, est-ce que vous voyez bien mon partage d'écran?
Pas encore. Pas encore. Donc, on va annuler tout ça. Donc, on va revenir partager l'écran. Est-ce que le partage d'écran est bon pour tout le monde? Oui, merci. Parfait. Donc, désolée pour le petit problème technique. Vous allez voir, comme je vais vous dire tout à l'heure, je ne suis pas une super technopédagogue, mais ça ne m'empêche pas de mettre en place des pratiques pédagogiques inclusives en classe. Donc, merci beaucoup, Céline, pour cette belle présentation, cette mise en bouche, cette introduction. Hein? Donc, on tenait à quand même mettre un peu dans le contexte pourquoi il serait intéressant pour vous de soit continuer ou de commencer à mettre en place diverses pratiques d'enseignement inclusives en classe. D'emblée, dans la présentation, je disais que je suis une enseignante à la base. Je suis une enseignante en adaptation scolaire. Donc, j'ai travaillé pendant plus de 13 ans au niveau secondaire. Et par la suite, j'ai fait le saut au niveau postsecondaire. Donc, ça fait plus de 22 ans que j'essaie de mettre en pratique des pratiques d'enseignement inclusives pour mes élèves en difficulté à la base. Comme l'a dit Céline, au début, on parlait beaucoup de nos élèves en situation de handicap, mais les pratiques d'enseignement inclusif dont je vais vous parler aujourd'hui sont vraiment effectivement pour nos étudiants qui ont des besoins diversifiés. Et Céline vous a parlé, on aurait pu faire le choix de vous donner un petit checklist, justement, tout simplement vous énumérer des pratiques pédagogiques. Je vais rapidement passer sur 4 exemples de pratiques pédagogiques qui peut-être sont déjà en place à l'intérieur de vos classes. Pratique pédagogique peut-être au niveau de la conception de votre cours, c'est-à-dire, par exemple, d'accorder suffisamment de temps pour la réalisation des travaux. Souvent, ce que je me suis rendu compte depuis quelques années, lorsque l'on planifie des travaux pour nos étudiants, souvent le temps est assez restreint pour la rédaction, pour la production du travail de l'étudiant et surtout, l'étudiant a parfois beaucoup de travaux à remettre en même temps. Donc, je vais vous parler tout au long de la présentation de mon monde idéal, qui peut-être un jour va arriver et peut-être est chez vous dans votre université. Mais dans mon monde idéal, il y aurait, pour parler de pratiques d'enseignement inclusif, il y aurait concertation parfois entre collègues au niveau du département, au niveau du module, peut-être dans les dates de remise des travaux, qui permettra aux étudiants de ne pas avoir à remettre, par exemple, dans la même semaine ou parfois dans la même journée, 1, 2 ou 3 travaux différents. Donc, déjà là, on permettra aux étudiants de respirer un peu plus lorsque c'est possible de le faire. Je sais qu'au niveau des examens, on a quand même des dates butoirs, mais le fait de penser peut-être un peu plus que notre cours, un peu plus large que notre cours, que donc que les étudiants ont d'autres choses à faire. Céline nous parlait tout à l'heure que 70% des étudiants du réseau UQ travaillent. Donc, il y a quand même la charge de travail aussi à considérer à l'intérieur de tout ça. Donc, de peut-être penser différemment, donner plus de temps ou de penser à un autre moment la remise d'un travail pour être une belle pratique pédagogique inclusive. Au niveau de la prestation, je vais revenir tout à l'heure sur le fait de donner des consignes courtes et précises, et autant à l'oral qu'à l'écrit, parce que vous allez voir que moi, j'ai fait la découverte d'une nouvelle façon de communiquer avec mes étudiants qui fait en sorte que j'ai beaucoup moins à répéter mes consignes et à reformuler différemment mes consignes en cours de trimestre. Un autre exemple, par exemple, au niveau du matériel ou des outils que vous pourriez présenter à vos étudiants, je vais justement vous présenter tout à l'heure mon plan de cours que je dis plus accessible et dynamique. Donc, la plupart d'entre vous avez accès dans votre réseau à une plateforme numérique d'apprentissage sur laquelle vous devez probablement déjà déposer vos documents. Chez nous, ici, à l'UQAC, c'est Moodle. Il y a peut-être d'autres universités. Céline, je ne sais pas si vous utilisez Moodle à l'UQAM aussi. Donc, c'est quand même une plateforme numérique d'apprentissage qui est quand même assez répandue. Donc, c'est d'exploiter différemment cette plateforme numérique-là pour nous permettre de peut-être justement varier nos moyens de communication et d'interaction avec nos étudiants qui sont peut-être des fois plus gênés de s'exprimer dans les méthodes plus traditionnelles que nous proposons en classe. Et au niveau de l'environnement, bien, ça rejoint un petit peu ce que je viens de vous dire au niveau des diversifier les moyens de communication et d'interaction sur lesquels je vais revenir tout à l'heure. Donc, la fameuse checklist dont Céline vous parlait, donc on vous en présente une très rapidement ici aujourd'hui. Donc, peut-être que vous voyez, peut-être que vous la connaissez déjà. Donc, c'est une liste qui est tirée du module 5 d'enseigner à l'université. Donc, module
que l'on vous suggère de faire. Donc, on a des très beaux modules disponibles pour de l'auto-formation au niveau du réseau UQ. Donc, vous retrouvez sur le module 5 d'éducation inclusive une liste de pratiques pédagogiques inclusives que vous pouvez déjà mettre en place ou peut-être qu'il y en a déjà certaines que vous utilisez à l'intérieur de vos classes. Donc, moi, ce que je recommande souvent aux enseignants lorsque je présente ce document-ci, c'est vous faites déjà de belles choses. Donc, peut-être avec un petit crayon marqueur, allez déjà souligner ce que vous faites déjà de bien. Et déjà là, c'est encourageant, c'est motivant pour l'estime de soi. Puis, par la suite, bien, d'aller peut-être se donner un défi peut-être pour le trimestre ou pour le trimestre suivant. Donc, quelles pratiques pédagogiques inclusives vous pourriez mettre en place en fonction des obstacles que vous observez à l'intérieur de vos cours. Tout à l'heure, Céline parlait d'obstacles. Donc, la mise en place de ces pratiques pédagogiques inclusives-là vise à lever certains obstacles, donc à adapter l'environnement aux besoins des étudiants pour pas que ça soit eux, comme le disait Céline tout à l'heure, qui portent le fardeau leurs épaules nécessairement. Donc, vous pourrez vous référer au document. On le mettra disponible après la présentation aujourd'hui pour ceux qui ne le connaissent pas nécessairement. Donc, concrètement, dans le vif du sujet, donc c'est vraiment très, très humblement que je vous partage aujourd'hui 6 façons de faire ou 6 pratiques pédagogiques que j'ai mises en place depuis les 10 dernières années. Ces pratiques, le développement de ces pratiques pédagogiques-là n'a pas toujours été sans obstacle de ma part, parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, des fois, il y a le côté pédagogique, technopédagogique qui entre en ligne de compte. Mais ce dont je vais vous parler aujourd'hui, je vous garantis que c'est simple, que c'est facile à mettre en place et surtout que ça a permis de justement d'aller répondre à plusieurs besoins qui étaient souvent des besoins individuels de mes étudiants diversifiés et Céline nous parlait tout à l'heure d'un principe d'équité et c'est toujours ce que j'ai en tête. Donc, ce que je vais mettre en place, est-ce que ça va pouvoir être équitable pour tous les étudiants qui vont pouvoir l'utiliser? Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter un peu qu'est-ce que la proposition d'un plan de cours qu'on dit plus accessible et dynamique. Accessible, ici, c'est dans le fait de, à l'intérieur de votre plan de cours. Donc là, c'est vraiment important dans tous vos établissements, que vous soyez au collégial ou à l'université, vous avez quand même des politiques ou des procédures institutionnelles à respecter dans la réalisation de vos plans de cours. Ce que je vous présente aujourd'hui ne fait pas fi de ça. Ça veut dire que oui, vous avez des choses peut-être obligatoires à mettre à l'intérieur de vos plans de cours. Moi, j'ai un manuel de gestion, j'ai des choses à respecter. Nous, ici à l'UQAC, nous n'avons pas de plan de cours, de modèle de plan de cours, cadre officiel à respecter où on doit juste remplir. Mais ce que je vous présente pour avoir un plan de cours plus accessible, c'est-à-dire d'avoir un petit souci sur 8 éléments que l'on doit normalement retrouver à l'intérieur de votre plan de cours. Les 8 éléments considérés ici, je ne les ai pas inventés. Donc, Céline vous parlait tout à l'heure de CUA. Donc, ça fait déjà plusieurs années ici au Québec que l'on parle de conception universelle de l'apprentissage. Et entre autres, il y a déjà quelques années à Montréal, une formation à laquelle j'avais assisté où on avait présenté justement les principes d'un plan de cours plus accessible. Et c'est ce qui m'avait accroché à ce moment-là. Donc, je vous dirais que c'est la première chose que j'ai changée dans ma pratique pédagogique. C'est vraiment au niveau d'un plan de cours qui est plus accessible. Donc, il y a 8 modalités, il y a 8 choses à regarder à l'intérieur d'un plan de cours qui est plus accessible. Moi, j'ai fait un document ici que je partage avec mes enseignants. Donc, il y a une gradation à l'intérieur d'un plan de cours qui est plus accessible. Donc, on a les éléments d'un plan de cours plus traditionnel. Et qu'est-ce qu'on pourrait ajouter pour rendre notre plan de cours, justement, encore plus accessible ou exemplaire pour nos étudiants? Donc, quoi de mieux qu'un exemple concret? Donc, je vais aller vous montrer un petit peu de quoi a l'air mon plan de cours, parce qu'en plus de le rendre accessible, je l'ai rendu dynamique sur Moodle. Donc, probablement que plusieurs d'entre vous, vous fonctionnez de cette façon-ci aussi. Normalement, sur Moodle, nous allons déposer un plan de cours en version PDF. Mais avec ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de transférer votre plan de cours donc en format page et d'aller rendre un plan de cours où là, à l'intérieur, le plan de cours ne devient pas juste un outil qui est statique. C'est un outil qui devient dynamique et dans lequel je vais mettre énormément d'informations et comme ça, l'étudiant va pouvoir s'y référer, va pouvoir aller répondre la majorité du temps à ses questions en référence qui se trouve à l'intérieur de mon plan de cours qui est déposé directement en format dynamique dans Moodle. La première chose que vous voyez ici, donc, c'est une image de moi.
Parce que ce que je me suis rendu compte, et souvent que probablement vous vivez la même situation, au premier cours, il manque parfois des étudiants. Donc, les étudiants sont absents. Souvent, on parle de nos étudiants internationaux, nos étudiants qui n'arrivent pas nécessairement au premier cours au début du trimestre. Donc, ce que je fais maintenant, c'est que j'ai pris l'habitude de me filmer. Donc, j'utilise un logiciel, il y en a plein. Moi, je me filme avec Screencast-O-Matic, qui est un logiciel, je ne sais pas si le terme logiciel est bon, là, mais... c'est une application que vous pouvez avoir gratuitement sur Internet qui fonctionne autant sur PC que sur Mac. La version gratuite est de 15 minutes et vous avez un petit icône. Mais sinon, comme nous ici à l'université, nous avons des versions illimitées qu'on peut se procurer auprès des services informatiques. Donc, ça me permet d'enregistrer mon plan de cours. Comme ça, l'étudiant qui va avoir été absent ou qui était moins disponible à ce moment-là parce que probablement j'étais le cinquième cours de la semaine, on est jeudi à 3 heures, donc cognitivement, c'est plus difficile pour lui. Donc, à ce moment-là, il va pouvoir me réécouter autant qu'il voudra dans la présentation du plan de cours. Donc, je mets aussi une présentation de moi. Donc, vous avez peut-être vu tout à l'heure dans les coordonnées ou la présentation de l'enseignant. J'ajoute une photo avec une brève description de qui suis-je ou qu'est-ce qui m'amène à donner ce cours-là. Hein, les étudiants aiment ça, savoir un peu qui nous sommes et qu'est-ce qui nous rend compétents dans la prestation du cours. Donc ça humanise aussi le côté relationnel avec les étudiants. Et la beauté, lorsqu'on transfère notre plan de cours avec le format page, on peut mettre des liens. Entre autres, je mets des liens directement, comme ici, ce sont en éducation, nous avons 12 compétences professionnelles. Donc, je fais des documents comme ça que les étudiants peuvent faire imprimer s'ils veulent ou ça devient des documents de travail. Le seul côté un peu plus négatif de ça, de la façon dont je le fais, c'est que lorsqu'on fait notre PDF, ben si je fais des changements dans mon PDF en cours de session, il faut que je dépose un nouveau PDF. Mais c'est un moindre mal pour l'avantage que ça nous procure au bout du compte. La beauté d'avoir un plan de cours qui est dynamique aussi, c'est que je peux y mettre, par exemple, des exemples de ce que je fais. Comme là, ici, dans une des intentions pédagogiques, mes étudiants doivent concevoir et piloter des activités d'apprentissage. Donc, j'ai mis un exemple concret avec l'autorisation de l'étudiant, bien entendu. Donc, je mets des exemples concrets des travaux que je vais demander aux étudiants. Donc, comme ça, pour nos étudiants qui sont plus anxieux, nos étudiants qui ont besoin d'avoir, qui nous demandent toujours, « Madame, combien de pages? » Tout ça. Donc, à ce moment-là, ça permet d'avoir vraiment des exemples concrets pour eux et déjà de planifier la tâche qui va leur être demandée en voyant de quoi a l'air le travail. Donc, je l'ai fait ici pour quelques exemples. Et ça me permet aussi d'aller mettre mon calendrier. Donc, quand on disait tout à l'heure qu'il faut que mon plan de cours devienne un outil qui est vraiment une référence pour nos étudiants, donc, à l'intérieur de mon plan de cours dynamique, ici, je mets toujours mon calendrier des séances au cours du trimestre. Donc, mon calendrier est le plus détaillé possible. Céline disait tout à l'heure, des pratiques pédagogiques inclusives, ça demande du temps au départ, mais ça m'en fait sauver plus tard parce que maintenant, je réfère mes étudiants, ils ne viennent plus poser de questions. Tout est à l'intérieur du calendrier qui est ici. Donc, autant les contenus que les lectures à faire. Et si, par exemple, je descends un peu plus bas en cours de trimestre, j'ai des remises formatives ou des remises sommatives, soit des travaux ou des évaluations. Tout est à l'intérieur de mon calendrier. Donc, l'avantage pour moi d'avoir fait un plan de cours dynamique et accessible comme ça, il y en a plusieurs, mais surtout, ce que je pourrais dire, je vais revenir à ma présentation, je vais vous présenter les avantages. Donc, pour moi, ça réduit de façon considérable le temps passé à répondre aux questions individuelles des étudiants. Et pour mes étudiants, c'est beaucoup plus structurant au niveau de la motivation des exemples. Et il y en a peut-être qui vont se poser la question, oui, mais on doit envoyer nos plans de cours, nous, au module, on doit faire parvenir nos plans de cours en début de session. Donc, je fais quand même mon plan de cours version Word parce que je dois le faire. Puis après ça, je le transforme dans Moodle en ajoutant les liens et tout ça. Donc, c'est pas beaucoup de travail de plus, mais beaucoup plus facilitant pour moi et pour les étudiants. Donc, je vois le temps filer énormément vite. Donc, je vais essayer de me dépêcher. La deuxième chose que j'ai introduite dans les dernières années, c'est la classe inversée. Donc, la pédagogie inversée, peut-être qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui l'ont essayé à différentes hauteurs. On dit parfois la classe, la pédagogie inversée. Moi, ce que je me suis rendu compte, Céline disait tout à l'heure, la diversité de nos étudiants. Il y a un moment donné, à une session, je me souviens, il y a 5 ans,
justement, ça fait quand même longtemps. J'ai présenté un plan de cours, comme je le faisais le trimestre d'avant, mes autres étudiants. Et lors d'un travail, mes étudiants n'ont pas été capables du tout de réaliser le travail que je demandais, alors que c'était vraiment le même travail que la session d'avant. Or, j'ai eu à me questionner. Je me suis dit, je ne suis plus une bonne enseignante. Peut-être que ça ne fonctionne plus comment j'enseigne. Donc, là, après ça, j'ai réfléchi différemment à la situation en me disant, est-ce que c'est parce que mes étudiants ont changé et que, justement, comme disait Céline tout à l'heure, les chemins ou les moyens pour parvenir à atteindre mes objectifs d'apprentissage que je ne voulais pas diminuer. Donc, mes critères d'évaluation demeurent les mêmes. Donc, il fallait que je voie à peut-être offrir des chemins différents pour parvenir à atteindre les mêmes objectifs pédagogiques. Donc, ce que j'ai fait, entre autres, pour une classe inversée, c'est l'exemple que je vous donne, c'est que dans le cadre d'un cours en intervention spécifique, mes étudiants devaient s'approprier un outil d'évaluation en mathématiques. Or, ce que je faisais dans un paradigme d'enseignement, c'est que moi, je donnais le volet théorique de l'outil en classe et après, je disais, allez maintenant à la maison, vous pratiquez avec l'outil. Or, qu'est-ce qui arrivait la séance d'après? Mes étudiants arrivaient en classe et ils n'avaient pas été en mesure de s'approprier l'outil parce qu'ils avaient énormément de questions. Je n'avais pas été disponible pour répondre à leurs questions, même si c'était par courriel, ce n'était pas aussi visuel, aussi concret. J'ai procédé différemment. Maintenant, je fais de petites capsules avec ce que je vous disais tout à l'heure, l'application Screencast-O-Matic. Donc, maintenant, je fais des capsules vidéo de très courte durée. Je n'embarquerai pas dans comment faire la classe inversée, mais normalement, il faut que ça soit quand même assez réduit dans le temps en format de capsule, quitte à en faire plusieurs sur un même sujet. Donc, je fais des capsules que les étudiants écoutent à la maison et maintenant, je fais vraiment le côté accompagnement, pratique, modelage, pratique guidée et pratique autonome en classe. Et je vous dirais que j'ai des travaux et des étudiants qui sont beaucoup plus compétents que ce qu'ils étaient quand je faisais l'inverse, c'est-à-dire que je donnais la théorie en classe et faisais faire le travail à la maison. Donc, ça me permet un encadrement qui est beaucoup plus rapide. Ça me permet aussi de faire diminuer les demandes individuelles. Et même les étudiants entre eux peuvent facilement s'entraider lorsqu'ils travaillent en classe plutôt que de façon individuelle chacun à la maison. Donc, ils peuvent se parler de stratégies qui sont efficaces, ils peuvent vraiment s'entraider. Que ça permet à nos étudiants qui sont diversifiés aussi, ceux qui peut-être la compréhension est plus difficile, soit la barrière de la langue ou par exemple un étudiant qui a un trouble d'apprentissage ou un trouble au niveau de la communication, il peut réécouter la vidéo plusieurs fois. J'ai même des étudiants qui m'ont dit qu'ils avaient écouté les vidéos avec leur mère à la maison. Donc, ce n'était pas un but pédagogique, mais les parents étaient contents de voir qu'est-ce qui se faisait à l'université aussi. Et comme je vous disais, moi, le plus gros avantage, autant pour les étudiants que pour moi, c'est que les travaux et les évaluations qui en découlent sont vraiment, vraiment d'une plus grande qualité, de par le fait que lorsque les étudiants sont en classe, je peux leur faire du modelage, c'est-à-dire que je peux leur donner des exemples concrets de bonnes pratiques à adopter. Et à ce moment-là, bien, ils sont capables de développer plus facilement leurs compétences ou acquérir plus facilement leurs connaissances. Je vais passer rapidement là-dessus. Au niveau de varier les moyens de communication et d'interaction, ce que je me suis rendu compte, c'est que justement, en changeant de paradigme, c'est-à-dire en passant d'un paradigme vraiment d'enseignement ou d'un modèle plus transmissif à un paradigme d'apprentissage, j'avais pas le choix de varier mes moyens de communication et les façons d'interagir entre moi et les étudiants ou entre les étudiants entre eux. Donc, en variant mes moyens de communication, je vous parlais tout à l'heure de l'application Screencast-O-Matic, du fait qu'on a des étudiants justement pour qui des fois, lorsque l'on transmet un message écrit, par exemple, envoyer un courriel aux étudiants, des fois la réception du message ou le décodage du message écrit peut être plus difficile pour des étudiants dont la langue première n'est pas le français, par exemple. Donc, ce que je fais maintenant, ou les étudiants qui sont plus visuels, moi, je parle beaucoup avec mes mains. Les étudiants aiment ça me voir. Donc, ce que je fais maintenant, j'envoie des courriels, mais version Screencast-O-Matic. Donc, je varie mes moyens de communication. Donc, j'ai toujours la version écrite. J'ai toujours une petite vidéo qui accompagne le courriel dans lequel je dis sensiblement la même chose, mais qui est peut-être plus facile de compréhension pour nos étudiants qui ont des besoins peut-être plus visuels et auditifs. Au niveau des varier les moyens d'interaction, donc, je vous parlais tout à l'heure de la plateforme numérique d'apprentissage Moodle.
Donc, ce que j'ai intégré beaucoup, beaucoup, beaucoup dans ma, dans les interactions, c'est que pour permettre aux étudiants peut-être qui sont plus gênés, peut-être pour les étudiants pour qui c'est plus difficile des fois de répondre lorsqu'on on demande de répondre à main levée en classe ou des choses comme ça. Donc, j'ai intégré beaucoup l'utilisation des wikis, des forums de discussion, l'utilisation de techniques de rétroaction en classe qui permettent justement aux étudiants d'avoir un temps personnel pour réfléchir ou pour écrire sur un bout de papier la réponse à une question qu'on aurait posée de façon ouverte en classe. Donc, justement, pour permettre pas juste aux étudiants qui sont toujours les mêmes de répondre, vraiment intégrer le plus possible la plupart de nos étudiants dans l'interaction qu'on peut avoir avec eux. Il peut y avoir aussi une interaction avec les moyens technologiques. Peut-être que vous connaissez Mentimeter, Kahoot, Socrative. Donc, ce sont plein de moyens qui m'ont permis d'interagir de manière différente. Donc, l'idée, c'est de diversifier. L'idée dans des pratiques pédagogiques inclusives, c'est de diversifier le plus possible au lieu de toujours être dans un même type de pratiques pédagogiques qui favorisent, qui viennent à favoriser finalement un certain type d'étudiants. En variant, ben, on va permettre à nos étudiants à un moment donné d'être capables de nous rendre compte de leur plein potentiel, puis d'être capables d'atteindre le plus possible les cibles pédagogiques ou les cibles d'apprentissage dont vous parlait Céline tout à l'heure. Au niveau des choix, donc Céline vous parlait qu'en pédagogie inclusive, il fallait idéalement offrir le plus de choix possible, hein, varier ce qu'on propose aux étudiants. Moi, ce que j'ai fait concrètement pour répondre à ce besoin-là, c'est qu'au niveau, par exemple, des lectures. Donc, au niveau des lectures, je sais que parfois, on fait acheter un volume aux étudiants, mais il existe aujourd'hui une panoplie de références qui nous permettrait peut-être qu'au lieu d'avoir juste un texte sur un sujet donné, on pourrait avoir deux ou trois choix de textes qui amèneraient l'étudiant à comprendre la même notion ou à développer les mêmes connaissances, mais avec des textes des fois qui ne sont pas écrits de la même façon, donc peut-être plus facile pour un étudiant de comprendre un texte qui vient d'un tel type de revue plutôt que d'un autre ouvrage. Donc, d'offrir des choix à ce moment-là. Offrir aussi des choix dans les moyens de rendre compte de leurs apprentissages. Céline parlait d'évaluation tout à l'heure, donc au niveau à l'écrit. Donc, moi maintenant, je permets, lorsque la compétence qui est évaluée n'est pas, par exemple, l'écrit, si je veux qu'un étudiant me rende compte justement du développement d'une compétence ou me parle d'une connaissance, bien, ça peut être fait soit à l'écrit effectivement, mais ça peut être fait de façon orale ou de façon vidéo avec une application dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, moi, au bout du compte, je suis capable d'évaluer la même chose, mais l'étudiant peut à ce moment-là aller jouer dans ses forces. Donc, si l'écrit est une barrière pour lui, bien, à ce moment-là, peut-être c'est plus facile de s'exprimer à l'oral à ce moment-là. Le dernier choix, par exemple, c'est au niveau des travaux et des examens. Donc, quand c'est possible de le faire, je permets de remettre des travaux à des dates différentes. Céline nous parlait tout à l'heure, des fois, ça peut arriver qu'un étudiant, ben, pour une raison, soit un enfant malade ou des choses comme ça. Donc, j'ai assoupli un peu les remises, les dates de remise pour les travaux et même parfois le moment de faire un examen. On parlait de prédisposition cognitive tout à l'heure. Il y a des étudiants qui travaillent mieux la nuit. Il y a des étudiants qui travaillent mieux très tôt le matin. Donc, quand c'est possible de le faire, j'offre maintenant des examens sur une plus longue période, par exemple, dans la semaine, lorsque ce ne sont pas des examens de connaissances et des vrais ou faux, bien évidemment, lorsqu'on parle plus d'études de cas. Donc, c'est des choix que j'offre maintenant à mes étudiants. Madame Hélène, je vois que le temps file énormément. Est-ce que vous voudriez me dire si j'arrête le tout ici? Je pense que vous pourriez continuer encore 5 minutes, si c'est possible, si vous pensez que ce sera un délai. Après ça, on pourra aller à la période de questions. Parfait. Je pourrais continuer toute la journée, mais je vais prendre 5 minutes. D'accord, merci. Donc, ce qui m'amène au dernier sujet dont je voulais vous parler, l'évaluation. Donc, Céline vous en a parlé un petit peu tout à l'heure. Donc, lorsqu'on parle de pédagogie inclusive, il faut voir l'évaluation autrement. Voir l'évaluation autrement. Ici, on a un petit dessin qui représente un peu ce que Céline nous a présenté tout à l'heure. Donc, l'évaluation, moi, quand je le présente à aux enseignants puis aux chargés de cours qui viennent à mes formations, c'est un peu ce que je présente. Dans le sens que l'évaluation, il faut la voir souvent, on la voit beaucoup comme un produit à la fin, c'est-à-dire l'évaluation sommative. Or, lorsqu'on parle de pratique pédagogique inclusive, il faut penser plus en termes de
processus aussi. Donc, ce qui va nous amener à la sanction, donc au produit final, il y a quand même vraiment, vraiment une hiérarchie ou en tout cas, il y a un processus à normalement à mettre en place lorsqu'on parle de pédagogie inclusive. Et dans ce processus-là, on parle beaucoup d'évaluation formative et de rétroaction. Donc, malheureusement, là, je vous poserai la question, est-ce que vous avez présence d'évaluation formative à l'intérieur de ce que vous demandez aux étudiants? J'espère que la réponse est oui. Parce que l'évaluation formative, c'est finalement une fenêtre hein, sur le raisonnement, sur les connaissances, sur le développement des compétences de vos étudiants. Et c'est ce qui va vous permettre c'est ce qui va permettre à l'étudiant, lorsque vous faites de l'évaluation formative, de s'ajuster en cours de route pour qu'à la fin, le produit final qu'il vous donne soit effectivement de meilleure qualité et que vous soyez... moi, ça m'apporte vraiment une satisfaction de me dire que mes étudiants, ils sont capables d'atteindre des compétences à la fin parce que je les ai accompagnés tout au long de leur processus de développement de ces mêmes compétences-là. Ce que j'ai mis en place, j'ai mis beaucoup en place l'évaluation formative, mais qui ne repose pas uniquement sur mes épaules. Donc, j'ai mis en place l'évaluation par les pairs beaucoup, où là, je fais appel au groupe, donc au reste de la classe pour me donner un coup de main au niveau d'évaluation formative. Pour ce faire, j'utilise des grilles d'évaluation. Donc, j'ai bâti des grilles d'évaluation que je rends disponibles aux étudiants pour qu'ils puissent eux-mêmes porter un regard constructif sur les productions de leurs collègues. Et ce que la recherche nous dit, c'est qu'un étudiant, premièrement, est beaucoup plus sévère envers un autre étudiant, mais surtout qu'en évaluant les travaux d'un autre, le travail ou les travaux de d'autres étudiants, l'étudiant lui-même améliore la qualité de son propre travail. Donc, c'est un avantage pour les deux à ce moment-là. Donc, au niveau d'évaluation, ce que j'ai fait, comme je vous disais, la rétroaction écrite ou verbale. Donc, maintenant, j'utilise beaucoup la rétroaction sous forme de processus et non pas sous forme de produit. La distinction rapide entre les deux, c'est la rétroaction sous forme de processus. C'est lorsque je sais que la rétroaction que je vais faire, l'étudiant va pouvoir le réinvestir soit pour un travail similaire par la suite ou pour une continuité de travail qui va lui permettre de s'améliorer. Ça, c'est la rétroaction comme un processus. Tandis que la rétroaction qu'on voit comme un produit, c'est plus une évaluation que vous feriez sur un examen final sur lequel l'étudiant n'aurait pas à revenir ou n'aurait pas à réinvestir les commentaires que vous lui auriez fait pendant le cours de votre cours, par exemple. Au niveau de l'évaluation, comme je vous disais, j'ai introduit les grilles à échelle descriptive. Je vous cacherai pas que Céline vous disait que des fois, d'avoir des pratiques pédagogiques inclusives, ça demande du temps. Le développement de grilles à échelle descriptive demande du temps au départ parce qu'avant d'obtenir une grille qui est vraiment parlante et qui répond vraiment à vos besoins d'évaluation, ça peut prendre du temps, mais ça vaut la peine parce que ça facilite grandement le jugement évaluatif qu'on a à faire, nous, par la suite. Jugement évaluatif qui à ce moment-là, met de côté les différences entre les différents étudiants parce que plus nos compétences sont détaillées ou nos critères sont détaillés, plus ça va être facile pour nous après ça de dire ben ça vaut tant ou ça ne vaut pas ça parce que. Donc moi, j'ai beaucoup travaillé pour l'intégration de grilles à échelle descriptive. J'offre beaucoup de choix aussi, par exemple, dans un examen, d'offrir des choix sur le nombre de questions. Par exemple, sur 15 questions qui valent chacune 3 points, les étudiants peuvent aller choisir 12 des 15 questions dans lesquelles ils se sentent le plus compétents. Mais moi, je sais qu'à la fin, peu importe les questions à lesquelles ils vont avoir répondu, ça va répondre à mes exigences au niveau de l'évaluation. Donc, l'étudiant a un sentiment de contrôle et se sent aussi compétent dans les questions qu'il va choisir. Donc là, ça permet à tout le monde d'aller jouer, hein, d'aller démontrer leur plein potentiel. Non, je pensais que quelqu'un avait parlé. Donc, vous voyez ici d'autres exemples de modifications que j'ai faites à l'intérieur de l'évaluation. La présentation va vous être rendue disponible par la suite. Donc, vous pourrez prendre le temps de bien regarder le tout. Ce qui nous amène donc à la fin, pour faire un retour sur ce dont Céline a parlé et ce que je vous ai présenté, je m'excuse vraiment rapidement. L'étudiant, ben, il n'y a pas d'étudiant type, donc l'étudiant type est un mythe. Pour se former et mettre en œuvre des pratiques d'éducation inclusive, ben, c'est un investissement sur le long terme, mais je vous le dis,
Vous allez vraiment être, ça va être bénéfique pour vos étudiants qui ont des besoins particuliers, mais vous aussi comme enseignant, le niveau de Céline parlait de compétences hein, par rapport à la diversité étudiante, ça rassure beaucoup comme enseignant de prévenir plutôt que de juste réagir quand les demandes individuelles arrivent par la suite. Commencez par des changements qui sont simples. Dans la petite fiche qu'on vous a présentée tout à l'heure sur la première page, ce sont des choses simples à effectuer. Moi, comme je vous dis, j'ai commencé par le plan de cours. C'est ce que j'ai fait il y a plusieurs années et maintenant, j'ai développé d'autres pratiques pédagogiques qui me permettent de mieux répondre aux besoins diversifiés de mes étudiants. De clarifier vos objectifs d'apprentissage, Céline en a parlé énormément. Moi, je fais une formation de 2 heures et demie sur les objectifs d'apprentissage. Donc, ça vaut c'est important de prendre le temps de le faire lorsque vous voulez embarquer dans les pratiques pédagogiques inclusives. Se demander, ben, pour chaque demande individuelle, est-ce qu'il serait possible justement de mettre ou d'appliquer une solution envisagée pour tout le groupe et de façon permanente pour éviter, comme on l'a dit, les demandes plus individuelles. S'inspirer de ce que font vos collègues, donc partager, participer aux communautés de pratique. On en a une belle qui s'en vient le 18 vendredi, justement, sur les compétences de base en pédagogie. Donc, participer à ces formations-là. Ne baissez surtout pas vos exigences académiques, on en a parlé. Donc, l'objectif, c'est de prendre des chemins différents, de diversifier nos stratégies, nos moyens pour arriver toujours à notre cible d'apprentissage qui est au bout. Et de ne pas hésiter à demander soutien aux conseillers pédagogiques, dont comme Céline et moi, donc dans vos universités, vous avez de très bons et de très bonnes conseillers pédagogiques qui peuvent vous soutenir au niveau du développement de pratiques pédagogiques. Et je vous laisse avec peut-être deux ouvrages, deux livres que vous connaissez peut-être, que moi j'y réfère énormément dans mes formations. Donc, de la collection Performant, évaluer les compétences au collégial et à l'université, un guide pratique, et se former à la pédagogie de l'enseignement supérieur. Donc, il n'y a pas le mot pédagogie inclusive sur aucun de ces titres-là, mais ça peut vous aider hein, quand même. La pédagogie inclusive, finalement, c'est de diversifier, de faire en sorte de prévenir et d'essayer de répondre aux besoins d'un plus grand nombre de nos étudiants. Ça serait tout pour moi. Merci beaucoup, Marie-Christine et Céline, pour cette présentation, cette conférence qui était fort pertinente. J'ai quelques questions de la part de nos participants et aussi quelques commentaires. Je vais essayer de les faire le plus, j'allais dire, ben, pas nécessairement en vrac, mais un peu selon les questions. Une question qui est arrivée spontanément lors de votre présentation, Céline, c'est... un participant nous a dit, mais je comprends bien le principe d'éducation inclusive, mais comment on peut faire quand on a 60 étudiants en salle de classe pour s'adapter à chacun d'entre eux? Alors, la parole est à vous, mesdames. Bien, l'idée, si tu me permets, Céline, l'idée, c'est de... On ne pourra pas s'adapter à chacun d'entre eux à tout moment. Je pense, Céline, tu pourras bonifier. L'idée, c'est justement de diversifier au cours du trimestre soit les activités pédagogiques ou les activités d'évaluation pour permettre à un moment à votre étudiant d'être capable de rendre compte du plein développement de ses compétences. Si je prends par exemple dans un examen, le meilleur exemple, dans un examen de diversifier les questions que vous allez demander à l'intérieur d'un examen, d'avoir des questions peut-être, des questions vraies ou faux, des questions à court développement, des questions un petit peu plus longues. Donc, l'étudiant va pouvoir à ce moment-là aller exploiter le plus possible ses compétences ou ses connaissances. Moi, je pense que l'idée, moi, je le vois là dans ma tête, la pédagogie inclusive, là, c'est un gros bol de fruits variés. Au lieu d'offrir un régime de bananes, on offre des fruits le plus variés possible. Fait que comme ça, à un moment donné, les étudiants vont être capables hein, d'aller piger et d'aller jouer dans leur force. Je ne sais pas, Céline, si tu es d'accord avec moi. Oui, tout à fait, absolument. Puis, quand on dit diversifier, ce n'est pas forcément à chaque évaluation que vous proposez tous les modes d'évaluation. C'est simplement penser que lorsque vous choisissez de faire un oral à vos étudiants, ça va avantager tel et tel étudiant, puis désavantager tel autre. Donc, c'est bien de penser à effectivement, soit offrir des choix ou tout du moins diversifier la fois d'après le mode d'évaluation. Oui. En rebondissant un peu sur cette question de diversité-là, dans nos salles de classe, et là, c'est le propos d'un participant, il y a toujours des étudiants qui ne comprennent pas. Et ça n'évite malheureusement pas les questions, les étudiants qui ne suivent pas, qui n'écoutent pas. Mais comment
comment on pourrait s'assurer justement de les rejoindre, ces étudiants-là? J'ai mal compris, Hélène, des étudiants qui ne suivent pas. Il y a toujours dans nos salles de classe des étudiants qui ne comprennent pas, même si on leur donne bien des bonnes explications et tout ça. Et ce qui fait que, malgré le fait qu'on met en place des mesures comme, par exemple, votre plan de cours dynamique, bien, ça évite pas les questions. Il y a toujours des étudiants qui ne suivent pas, qui n'écoutent pas. Les accommodements où on n'a pas parlé, où les demandes individuelles ne disparaîtront pas jamais à 100%. Même avec la mise en place de pratiques inclusives, on va diminuer les demandes qui sont plus individuelles. Mais dans un cas comme ça, moi, je dirais que c'est dans les moyens de l'étudiant. Souvent, on donne des consignes effectivement plus à l'oral, d'avoir peut-être des documents qui viennent appuyer ce qu'on vient dire, de faire des captations de parties de cours où on sait que les étudiants ils ont habituellement plus de difficultés. Mais à ce moment-là, on peut rendre disponible ces parties de cours-là sur la plateforme numérique d'apprentissage. Donc, encore une fois, c'est que notre étudiant, ben, il ne suit pas ou il pose des questions. Est-ce que c'est parce que c'est un étudiant pour qui il y a une barrière de la langue? Là, je connais pas le contexte, mais souvent, moi, je parle de point de l'iceberg. Le comportement de notre étudiant, c'est qu'on voit qu'il pose des questions ou qu'il ne comprend pas. Maintenant, il faudrait essayer d'aller voir ben, qu'est-ce qui pourrait venir faire en sorte justement de permettre à l'étudiant d'avoir accès peut-être plus à l'information. Je ne sais pas de ton côté, Céline. Ben, il y avait une partie, justement, tu es passée dessus, mais les personnes qui voudraient pourraient revenir à ta présentation. Le point 2.3 où tu parles de devenir un modèle grâce à l'enseignement explicite. En fait, c'est une bonne façon d'aider des étudiants à comprendre aussi quand on leur demande une tâche, notamment quand on les évalue sur une tâche, de s'assurer qu'on l'a fait devant eux et qu'ils savent, qu'ils l'ont déjà éventuellement même pratiqué en classe. Donc, c'est l'idée de l'enseignement explicite et de la modélisation qui aide beaucoup. Oui. Des étudiants qui pourraient ne pas comprendre. Puis je veux rajouter aussi l'idée du droit à l'erreur, qui est un principe qui est derrière des pratiques inclusives aussi. Le droit à l'erreur, c'est par exemple de permettre à un étudiant qui n'aurait pas passé, qui n'aurait pas eu son 60% par exemple de passage, de reprendre son travail ou qui ne l'aurait pas rendu à temps. Enfin bref, de lui donner une chance de le reprendre. Et de le remettre plus tard en fixant quelques règles. Bon, par exemple, s'il reprend son travail, qu'il peut le remettre plus tard, même s'il fait un travail parfait, il ne dépasserait pas le seuil de passage parce qu'on ne veut pas être inéquitable vis-à-vis des autres. Enfin, il y a différentes façons d'aider un étudiant qui ne comprend pas. Puis, tu parles d'enseignement explicite, Céline, justement, j'ai pas du tout passé sur ce point-là, mais moi, je l'utilise beaucoup en classe. Tu parlais de compétences transversales tout à l'heure. Moi, je le fais maintenant avec mes étudiants, systématiquement avec mes étudiants, même pour les stratégies de lecture et la prise de notes. Donc, ce sont des compétences transversales qui, même si mes étudiants sont rendus en deuxième, troisième, quatrième année du bac, lire un texte, par exemple, en adaptation scolaire, tu n'as pas besoin des mêmes compétences ou l'intention de lecture n'est pas la même que lire un texte, qu'on soit en génie ou qu'on soit dans une autre formation. Donc, j'accompagne beaucoup mes enseignants présentement ici à l'université sur le fait de développer de bonnes stratégies de lecture avec les étudiants. Et encore une fois, je précise, ce n'est pas que de perdre du temps. Même si on sait qu'on a le service aux étudiants qui peut accompagner l'étudiant, moi, dans le cadre de mon cours, là, je juge que c'est de gagner du temps que d'accompagner mes étudiants à avoir des bonnes intentions de lecture, à faire des bonnes lectures et même à prendre des bonnes notes. Donc, j'ai introduit les cartes conceptuelles comme prise de notes. Donc, on essaie de varier encore là les moyens pour que l'étudiant puisse aller choisir dans le plat de fruits quel fruit est le meilleur pour lui. C'est bon, merci. Ben un peu dans la suite de ça, un participant nous demande si on le permet, par exemple, dans les mesures que vous avez proposées pour mettre en place dans un souci d'éducation inclusive, si on le permet à un étudiant en difficulté, si on adapte les choses particulièrement, est-ce qu'on le permettrait alors à tous les étudiants de reprendre leurs travaux ou leurs examens? Que répondez-vous à ça? Absolument, oui. Le principe de l'éducation inclusive, c'est justement de ne pas de sortir de l'accommodement individuel. Donc, si on donne un temps supplémentaire parce qu'un étudiant nous le demande, se demander si on peut le donner à tous. Puis, la réflexion derrière, c'est est-ce que j'évalue la vitesse pour accomplir une tâche ou pour accomplir ce travail, voyez? Donc, c'est oui, le réflexe, c'est d'appliquer la demande individuelle à l'ensemble du groupe.
quand on parle d'évaluation de compétences, souvent, c'est le temps supplémentaire qui nous est posé comme question. La question qu'il faut que vous posiez sur le marché du travail, est-ce que le temps va être une compétence qui va être nécessaire? Il y a des compétences, par exemple, si je prends lorsque je travaillais au Cégep, des gens qui avaient à faire un programme, produire une émission de télé, mais c'est certain que l'émission de télé, il faut qu'elle soit produite en un nombre de temps X parce que sinon, on ne sera pas capable de la mettre en ordre après. Donc là, le temps supplémentaire peut être une mesure qui peut être agrandie ou donner plus de temps au processus d'apprentissage, mais à la fin, l'étudiant, il doit être avisé qu'il va devoir rentrer dans une capsule de temps qui est précise. Et tout au long de l'apprentissage, on peut lui donner plus de temps pour, après ça, diminuer le temps. L'autre exemple, pour une manœuvre RCR, par exemple, bien, le temps supplémentaire pour être là pour apprendre à faire la manœuvre, mais lorsque je vais évaluer l'étudiant au final, je ne donnerai pas plus de temps pour faire sa manœuvre de réanimation parce qu'on sait que la personne elle va malheureusement être décédée si je prends plus de temps. Donc, vous voyez, il y a toute la question de qu'est-ce que la compétence sur le marché du travail ou dans la réalité représente, par exemple, dans ce cas-ci, pour le temps. Souvent, on a mis notre barème qu'un examen durait 3 heures. Mais pourquoi un examen dure 3 heures? C'est la question qu'il faut se poser. Donc, est-ce que la compétence doit se faire vraiment dans une capsule de temps déterminée ou le temps, on l'a mis tout simplement pour une raison, je vais dire, bureaucratique de la longueur de nos cours? Je vous pose la question et je vous laisse y réfléchir. Dans une perspective un petit peu plus pointue, on a eu quelques questions sur votre plan de cours dynamique, Marie-Christine. On voulait savoir, est-ce que les étudiants lisent davantage le plan de cours dynamique et est-ce que vous pouvez savoir combien d'étudiants le consultent ou l'ont consulté? Oui, c'est possible de le savoir. Donc, peu importe la plateforme, vous pouvez aller voir les étudiants qui ont consulté. Et la beauté, je vous dirais, avec le plan de cours que je mets directement dans Moodle, lorsque je fais une modification, au bas, on a toujours la date de la dernière modification. Donc, l'étudiant peut savoir s'il y a eu des modifications ou des ajouts à l'intérieur du plan de cours. Et c'est sûr que ce n'est pas scientifique, mais oui, les étudiants adorent avoir un plan de cours dynamique. Toute l'information y est regroupée. Ceux qui ont besoin de faire imprimer, ils ont une version qui est quand même imprimable s'ils ont besoin de la faire lire avec une visionneuse ou peu importe. Mais oui, dans mon expérience personnelle, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui ont déjà utilisé ça, mais dans mon expérience personnelle, je vois vraiment une grosse différence. D'accord, merci. Alors, je voulais une question qui vient de nous arriver, qui est encore aussi un petit peu plus pointue sur les moyens d'apprentissage. J'ai plusieurs moyens d'apprentissage qui expliquent la matière de différentes façons, lecture, PowerPoint, explication en classe, exercice, corrigé sur Moodle. Je me fais souvent, assez souvent poser la question, mais quelle est la matière qui sera évaluée? Comme si l'étudiant voyait tous ses moyens pédagogiques comme des contenus différents et cela semble monter l'anxiété de certains étudiants. Oui, eh bien, le bon réflexe, ça serait de retourner à l'objectif d'apprentissage et de rappeler à l'étudiant ce qu'on cherche, quel but on veut lui permettre d'atteindre. Donc, c'est probablement que en rappelant cet objectif, en s'assurant qu'il soit clair pour l'étudiant et l'enseignant, ça va permettre à l'étudiant de voir qu'il y a plusieurs chemins qui existent pour atteindre cet objectif. Qu'est-ce que tu en penses, Marie-Christine? Oui, effectivement. Puis souvent, c'est implicite pour nous. Hein? C'est dans notre tête, c'est clair, puis on sait qu'est-ce qu'on veut. Mais le conseil que je pourrais vous donner de façon générale aujourd'hui, c'est de nommer à vos étudiants à quoi ça sert. Céline a parlé tout à l'heure des facteurs de la motivation un petit peu de M. Roland Guillot. Donc, moi, systématiquement, là, la valeur, le sentiment de compétence, la contrôlabilité, mais la valeur, là, c'est qu'est-ce que ça donne, puis qu'est-ce que je vais faire avec ça. Donc, de le verbaliser à vos étudiants, qu'est-ce que ça va donner ou justement, pourquoi est-ce qu'on va faire différentes activités. Donc, plus on va donner de l'information aux étudiants, cette information-là, on l'a déjà réfléchie dans notre tête, mais plus on va la donner aux étudiants, probablement qu'on va favoriser leur engagement puis on va diminuer l'anxiété au bout du compte. Encore une fois, de façon un petit peu plus précise, je pense, Marie-Christine, dans votre propos, vous aviez parlé des plages horaires, d'offrir plusieurs plages horaires. Alors, une participante nous demande comment on fait pour offrir plusieurs plages horaires, comme vous l'avez suggéré. Bien, encore là, si je prends par exemple pour un examen, bien, dans le cadre d'un de mes cours, j'ai un examen qui normalement s'effectuait en classe.
Donc, pour justement permettre aux étudiants d'être au meilleur de leur capacité, ben je permets maintenant que l'examen se fasse à la maison, mais ce n'est pas un examen de contenu de connaissances. Donc, par exemple, si c'est un examen, une étude de cas dans laquelle les étudiants doivent me produire une carte d'organisation d'idées. Donc, ils ont la semaine au complet pour. Donc, moi, le lundi, je rends disponible les consignes de façon écrite, ma vidéo, avec toutes les informations le lundi matin à 8h, et ils ont jusqu'au vendredi pour me remettre le travail. La seule chose que je pourrais vous dire, si jamais vous voulez aller vers ce type d'examen, l'erreur que j'avais faite la première année, c'est que j'ai des étudiants qui ont passé 25 heures à faire mon examen parce qu'ils se sont dit, on a la semaine, ça doit être un gros examen. Mais moi, je voulais, normalement, le temps, c'était de 4 à 5 heures. Fait que les années, par la suite, les autres années, bien, j'ai spécifié à l'étudiant. Donc, mes consignes n'étaient pas assez claires pour les étudiants. Donc là, c'était un petit échec la première année, mais après ça, je me suis ajustée. Donc, ça permet aux étudiants de travailler au moment où ils sont disposés pour le faire. Merci. Une question qui vient tout juste de nous arriver. Dans un contexte de classe inversée, les étudiants en situation de handicap se sentent-ils en danger lorsqu'ils se retrouvent en classe durant le travail en équipe où la spontanéité, les étudiants extravertis ou rapides ont tendance à prendre toute la place? À votre avis. Oui, je peux faire un début de réponse si tu veux, Marie-Christine. Oui. Ah, je t'entends plus. Ah oui, OK. C'est sûr que la classe inversée peut avoir un intérêt évident pour des étudiants en situation de handicap. Je pense à des étudiants qui pourraient avoir des problèmes de mobilité, étudiants qui ont des problèmes de troubles déficitaires de l'attention. La classe inversée permet de réécouter, de relire, d'avoir le temps pour comprendre un contenu. Après, pour le travail en équipe, il y a des trucs qui aident à encadrer des travaux en équipe de façon inclusive. Donner du temps, par exemple, pour la réalisation des travaux d'équipe en classe, c'est quelque chose qui peut aider beaucoup. Attribuer des rôles aussi dans une équipe spécifique, c'est aussi une bonne pratique. Est-ce que tu penses à autre chose, Marie-Christine? Non, ben oui, tu as tout à fait raison, Céline. Effectivement, il y a des modalités. Pour nos étudiants, je pense que quand c'est bien encadré, quand on a des bonnes modalités mises en place, l'étudiant a tout à gagner justement de pouvoir faire le travail en classe, puis surtout qu'on est là. Fait que la beauté de faire la classe inversée, c'est qu'on peut répondre aussi rapidement à leurs questions, qu'on peut plus gérer un peu la dynamique du travail d'équipe, si c'est un travail d'équipe, parce que la classe inversée n'implique pas nécessairement que ce soit du travail d'équipe qui soit fait nécessairement en classe. Moi, dans le cas dont je vous parlais tout à l'heure, les étudiants, lorsqu'ils reviennent en classe, là, je fais du modelage. Ensuite, il y a une pratique guidée individuelle ou qui peut se faire parfois en équipe. Puis après ça, c'est la pratique autonome. Donc, ça me permet juste d'avoir un meilleur encadrement puis une meilleure spontanéité pour répondre aux questions des étudiants. Mais je suis d'accord avec Céline, au niveau des modalités des travaux d'équipe, ce sont des questions qui reviennent très, très souvent lors de nos formations. Et encore une fois, je vous invite à consulter vos conseillers pédagogiques parce qu'il existe des outils pour vous aider à ce niveau-là. Je voulais revenir sur un de vos points que vous avez dit. Je pense que c'est Céline qui l'avait mentionné, puis ensuite Marie-Christine. On enseigne ce qu'on évalue, on évalue ce qu'on enseigne, qui est une phrase forte. Ça fait un peu, je ne vais dire pas sursauter, mais réagir des quelques participants qui nous ont dit, mais vous savez, à l'université, il y a des prérequis, savoir écrire, l'orthographe, la communication. Et en principe, ça devrait faire partie des acquis de nos étudiants. Et une autre personne dit, en théorie, on ne devrait pas juste enseigner ce qu'on évalue. À titre d'exemple, au secondaire, nous devons enseigner tous les éléments de la PDA, mais nous ne sommes pas tenus de tout évaluer. Alors, je voulais juste vous faire part de ça. Je ne sais pas si vous voulez réagir à ces deux commentaires. Sur la qualité du français, la remarque suivante, c'est qu'il y a des programmes pour lesquels c'est important, puis ça fait partie des compétences à atteindre. Donc là, c'est un petit peu différent d'un programme à l'autre. Puis, il y a quand même aussi l'idée
d'utiliser les ressources des institutions. Il y a des universités qui possèdent des centres qui aident à améliorer la qualité du français. Donc, l'idée, ce serait d'envoyer les étudiants, de ne pas hésiter à leur faire connaître les ressources qui existent pour les aider en français, pour ne pas les laisser avec cette faiblesse. Moi, je renchéris en vous disant tout à l'heure, quand je vous parlais de stratégie de lecture, stratégie de prise de notes, effectivement, on a des étudiants qui sont rendus à l'université, mais j'ai deux choix. Me dire qu'ils auraient dû l'apprendre avant ou m'assurer qu'ils le font de manière efficace pour qu'au bout du compte, ben, dans mon cours, les répercussions soient positives. Donc, moi, j'ai fait le choix de prendre le temps de leur montrer les bonnes façons de faire. Pour peut-être 50%, 60% de mes étudiants, ils n'ont pas besoin de ce que je vais leur montrer. Ce n'est pas grave. Mais pour les autres, ben là, je vais m'assurer que je vais développer ces compétences ou ces façons de faire-là chez eux. Puis, je leur donne, c'est un cadeau que je leur fais. Là. Puis, quand je vous disais tout à l'heure les cartes d'organisation d'idées, j'ai des étudiantes maintenant qui prennent leurs notes que sous forme de cartes d'organisation d'idées. Parce que pour elles, le format linéaire de A à Z de la feuille, ben, c'était compliqué pour eux autres. Tandis que là, ben, ils sont capables justement d'avoir une vision plus globale. J'ai des étudiantes qui n'aiment pas ça. J'ai des étudiantes qui n'ont pas du tout embarqué là-dedans. Mais maintenant, ils ont le choix et ils savent que ça s'offre à eux. Donc, je n'ai pas perdu mon temps en classe. J'ai investi un 15 minutes, un 20 minutes. Des fois, je fais des prises de notes sous forme de carte d'organisation d'idées un cours. L'autre cours, je fais une prise de notes sous forme linéaire. On n'a pas parlé des PowerPoints, mais moi, je ne remets pas mes PowerPoints systématiquement là, de A à Z. Donc, dans les pratiques pédagogiques inclusives, il y a des choses à respecter aussi dans les transmissions d'informations aux étudiants. Là-dessus, je suis un peu... je ne suis pas adaptée à 100%. Il y a des choses que je considère que moi, pour que mes étudiants s'engagent, il faut qu'elles soient actives dans ce que je leur demande de faire. Donc, pour moi, l'activité vient du fait que il y a une certaine prise de notes qu'il faut qu'il soit faite. Je sais, Céline, là-dessus, on ne se rejoint peut-être pas à 100%, mais... Effectivement, parce que c'est vrai qu'il y a quand même des étudiants qui ont besoin, pour suivre le cours, d'avoir pu accéder aux documents à l'avance, parce que pour eux, la charge cognitive que représente d'écouter un enseignant et de découvrir le cours projeté sur PowerPoint, c'est trop, sans parler d'étudiants qui ont des handicaps visuels ou auditifs qui ont effectivement besoin de s'y prendre à plusieurs fois pour... C'est ça. Mais dans ma clientèle, dans mes étudiants présentement, ce besoin-là n'y est pas ce trimestre-ci. Fait qu'il faut s'ajuster aussi. Que je m'en place un trimestre, ça ne veut pas dire que ça va durer tout le reste de ma vie. Il faut vraiment s'adapter puis bien connaître nos étudiants en début de session aussi. Merci. Je vais un peu terminer avec une question un petit peu plus large qui nous a été posée aussi. C'est est-ce qu'on a des données spécifiques sur la diversité des étudiants au cycle supérieur? Puis, cette personne demandait aussi où est-ce qu'elle pourrait retrouver les données que vous avez mentionnées au début sur les pourcentages de diversité. Est-ce qu'il y a un endroit, est-ce que ça sera dans les références qui seront données? Alors, voilà. Alors, pour les données que j'ai indiquées, j'ai mis les sources dans les diapositives. Donc, il y a l'Institut de la statistique du Québec. Il y a des données... qui proviennent du centre le SPARI, ça y est, j'ai oublié si Hélène, tu veux m'aider. Le SPARI, c'est lié à l'UQAM, mais vous avez peut-être dans votre université une entité qui analyse comme ça les données étudiantes. Puis il y a diverses enquêtes aussi, ICOP, ECOPS, qui existent. En tout cas, vous avez ces références directement dans les diapositives ou à la toute fin de la présentation sur la page des références. Oui. Vous avez aussi à l'AQUICERCH, qui est l'association au niveau des étudiants en situation de handicap, donc le regroupement des conseillers au niveau des étudiants en situation de handicap. Et dans les chiffres qui vous ont été présentés par Céline, moi, j'avais validé auprès de mon institution aussi. Et souvent, au niveau du réseau UQ, là, c'est sensiblement la même chose. Donc, il y a peut-être... Moi, j'ai ajouté au niveau des étudiants autochtones parce qu'on est quand même... situé en territoire un peu plus éloigné, près des communautés autochtones, donc ce qui n'est peut-être pas la réalité à Montréal. Mais de façon générale, ce qui vous a été présenté par Céline, dans le réseau UQ, là, il y a à quelques pourcents, 1 ou 2 % de différence, là, mais il n'y a pas énormément de variabilité comparativement à nos études.